Salut à tous, c'est Baïsanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'informations sur GTA V Online. Donc Rockstar vient d'annoncer un nouvel événement, donc un petit événement, mais qui a l'air quand même pas mal. Donc avant ça je voulais juste savoir un peu comment s'était passée votre rentrée, donc n'hésitez pas en commentaire à nous faire partager un peu ce qui s'est passé, s'il y a eu des trucs un peu épiques, si vous est arrivé des couilles, donc si jamais vous êtes arrivé en retard, si jamais vous avez oublié de vous lever, le réveil n'a pas sonné ou quoi, mettez-nous un peu ça en commentaire, qu'on rigole un peu tous ensemble. Et donc je vais tout de suite vous dire cette nouvelle information. Donc Rockstar aujourd'hui a fait une mini mise à jour où c'est qu'ils ont ajouté 16 nouvelles activités, donc des missions de contact, des nouvelles courses de parachute, des courses d'avion, donc pour mettre un peu à l'honneur le DLC école de pilotage. On aura du double RP toute la semaine et aussi donc le parachute qu'on pouvait gagner à en faisant le stage de l'école de pilotage, et ben en fait elle sera disponible pour tous ceux qui finiront la playlist qui mettront donc en place pour cet événement. Ils nous disent aussi ici qu'on aura des nouvelles missions, donc une de Trevor qui se lancera à partir du niveau 43 et où c'est qu'on pourra la faire à partir de 2 jusqu'à 4, donc ce qui peut être aussi pas mal. Et donc une nouvelle mission aussi de Martin, il faudra être au niveau 44 pour pouvoir la lancer, et donc par contre celle-ci se jouera seulement à 2, donc ce qui est un peu plus embêtant. Et ensuite donc ici je vous ai mis un dernier screen où c'est que vous pourrez voir les nouvelles activités, donc les nouvelles courses en parachute et les nouvelles captures. Donc il y a quoi? Il y a 2 nouvelles courses en parachute, 4 nouvelles courses en avion et une nouvelle capture. Donc en tout cas on va les essayer, peut-être qu'elles sont cool, peut-être qu'elles sont moins bien, en tout cas peut-être qu'elles rapportent pas mal d'RP, c'est ça qui pourrait être intéressant, surtout en double RP. Donc je vous le rappelle, double RP toute la semaine. Rockstar a mis tout à l'heure un petit message sur le Social Club, donc je vous ai un peu détaillé. Si jamais vous voulez aller faire un petit tour dessus, je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette petite vidéo rapide, donc vraiment juste pour vous informer de ce mini événement. C'est vraiment sympa des fois d'être informé, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le temps d'aller voir à gauche, à droite, qui viennent seulement sur la chaîne, au moins je suis content de pouvoir leur proposer toutes les informations. Et voilà, donc moi je vais vous laisser sur ces images, si jamais cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis bonne soirée, bonne rentrée et ciao tout le monde. Allez, Paradise.fr.